Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous avez vu l'heure qu'il est? Mais ils ne veulent pas dormir du tout. Ils veulent qu'on leur raconte une histoire. Oui, ils veulent qu'on leur raconte notre histoire. Il n'en est pas question. Oh, Monostatos, juste 5 minutes. Non. S'il te plaît, Monostatos. Une toute petite histoire. Bon, ben alors, 5 minutes, pas plus. Si chaque brave amant de Stoppschel vers Zelischkeit für mich, vers Zelischkeit, père de mich, vers Zelischkeit für mich. Chose pour toi. Regarde. Petit Papageno. Pour mériter le cœur de ma fille, il faut s'en montrer digne. Et pour cela, tu dois réussir 3 épreuves. Ces 3 épreuves se trouvent derrière chacune de ces portes. Oh, c'est trop dur de rester silencieux. Silencieux, silencieux, c'est vraiment pas mon domaine. Oh là là là. Tu m'as appelé pourquoi? Oh non! Oh non! Mais elle est vraiment laide! Tu m'as appelé pour ça? Oh, elle est toute encoquillée! Oh, tu m'as appelé pour ça! Et salut! Oh, oh flûte! Mais le prince Tamino qui ne fait rien? Oh, mais je sens que ma vengeance sera terrible! Double, 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 double.
moi, patient et silencieux. Écoutez donc, charmant Jean-Jean, si vous voulez devenir grand. Hélas, nous ne pouvons que dire, soyez fort, patient et silencieux, et vous vaincrez. Bref, soyez fort. Ainsi enfant, vous deviendrez des grands. Ainsi enfant, vous deviendrez des grands. C'est bien, mes enfants. Vous avez réussi ces trois épreuves avec succès. Jeune prince Tamino, tu as réussi la première épreuve, l'épreuve du silence. Ensuite, l'épreuve du feu. Et enfin, l'épreuve de l'eau. Tu peux donc épouser ma fille si tu en as toujours envie. Papa Guénaud, Papa Guénard, revenez, on ne sait pas la fin de votre histoire. Comment vous vous êtes rencontrés ?